Salut tout le monde, on va commencer l'apéro typo. Alors, c'est l'apéro tardif, hein. Mais je commence dans une minute, histoire de caler mon écran. Petite sélection, donc vous inquiétez pas, je vous bouffe pas la soirée. Allez, c'est parti. Let's go pour cet apéro typo tardif. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Salut. Incroyable, l'écran est bien calé. Mais non, la vidéo n'est calée. Attends, je cale juste ma petite vidéo. C'est du grand n'importe quoi. Laissez-moi en pleine poire, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Salut Rosie, ça va bien? Je suis pas trop tard. T'es venu parce qu'il y avait écrit apéro, parce qu'il y avait, écrit typo. On t'entend très mal. Ah merde, tu m'entends très mal. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu m'entends mieux? Tu me dis que tu m'entends mal. C'est la musique qui est trop forte? Bah, alors décidément, j'ai un problème de micro aujourd'hui. Hein. Ah là, c'est mieux. Là, je parle. Salut Noche. Vous m'entendez bien? Vous voulez que je baisse le son peut-être de la musique? Attendez, on va baisser un peu le son de la musique. Est-ce que c'est mieux? Si je parle, je suis pas obligé de prendre la voix de nocturne, de radio nocturne. Est-ce que là, ça va? Je me tiens bien, je me tiens droit, est-ce que c'est bon? Mon sueur. Ça va, on m'entend? Est-ce que la musique est pas trop forte? Je calme ma vidéo le temps que vous me dites. Me disiez si c'est ok, pas ok. Je suppose qu'il y a ma trombine est complètement décalée, là. C'est pas grave. Alors, on fait des efforts pour essayer de faire des choses à peu près bien. Et puis voilà. Voilà. On va dire que c'est bon. Tout est OK pour moi. Eh bien, écoute, top. Eh bien, bonjour à vous deux. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Finalement, je me dis que l'apéro, je viens parce que ça me tente bien, parce que je sais que je vais... Non, parce que j'ai pas fini la rédaction de mon mémoire. OK, cool. Eh bien, écoute, tu vois, c'est un petit topo. Un petit topo... Le temps de faire un break avant les rédacts de ton mémoire. Tu bosses sur quoi si c'est pas indiscret comme mémoire? Mais c'est peut-être indiscret. Donc si c'est indiscret, t'as le droit de pas le dire. Ou tu peux balancer des indices. Avant que je parte de la petite sélection typo qui va bien. Vas-y. Il va falloir que je mette un son genre... Je regarde en même temps. Non, j'en ai pas. Mais je vais faire ça. Écoute, je laisse. Bon, en tout cas...
J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi. Donc je fais un apéro tardif, mais finalement je me rends compte que peut-être que l'apéro tardif de 20h30, 20h40, c'est peut-être pas mal finalement. C'est peut-être plus pratique pour tout le monde que 19h30, qui est un peu bâtard, parce que pour le coup 19h30 on fait des apéros. Donc Rosie Nush et tous ceux qui sont sur ce stream, vous me direz si ça vous va. Bref, donc aujourd'hui c'était un peu compliqué parce que cet après-midi, enfin un peu compliqué entre guillemets, parce que j'étais au Musée Guimet, j'ai fait un live vidéo Musée Guimet, et en fait je me suis rendu compte après coup que le micro que j'avais, c'est pour ça que j'ai mon petit micro qui est là, mon petit micro touffu là, d'un coup s'est arrêté, donc je parlais un peu avec... la cam du téléphone, machin, à distance, donc forcément on m'entendait pas. Donc je pense que je vais reprendre le live parce qu'on n'entend pas très bien, et puis peut-être faire une voix sur le dessus. En tout cas, top. Les expos Musée Guimet, j'en reparlerai parce que franchement, c'est à voir si vous êtes sur Paris. Alors Rosie, non, pas indiscret du tout, je suis en didactique des langues. Oh là là, mais tu me parles là. Mémoire sur l'autonomie dans l'enseignement des langues de l'éducation nationale. En fait, ma deuxième grande passion, c'est les langues, c'est la linguistique. Je suis un gros frustré parce que je... Bon, là, tu me diras, l'autonomie dans l'enseignement, ça, on touche quand même, on touche. J'ai failli faire FLE. Ça m'emmenait quand même dans une voie, ça prenait du temps. Je me le mets dans ma petite tête, FLE, quand même. Donc, vraiment, l'enseignement des langues, le sens autour des langues, tout ça. Mais c'est passionnant. Il va falloir que tu m'en dises plus. Parce que je veux en savoir plus. Ah merde, t'as fait le, bah c'est cool, bah tu vois, bah, bon moi j'ai fini les études depuis un moment, mais je m'étais dit de faire le, il y avait un DU, fait le, moi ce qui m'intéressait c'était d'apprendre des langues, tout ça, enfin du moins apprendre à des étrangers, parce que j'apprends plusieurs langues moi personnellement, et en fait l'idée c'était vraiment de, les techniques d'apprentissage du français, je trouve ça trop intéressant, et sauf que le master... pour quelqu'un qui bosse à côté, c'était compliqué. Ils n'ont pas fait, je crois, des cours du soir. Et en fait, le DU de base, quand tu le fais après, je m'étais renseigné, mais je m'étais renseigné il y a quoi, il y a 2 ans. Alors peut-être que ça a changé, hein. Mais que le DU, en gros, tu n'avais pas forcément... Évidemment, tu passais après ceux qui avaient le master, ce qui est un peu normal. Mais t'es moins quali. Donc je suis toujours un peu en recherche de ce genre de formation, donc je veux bien des plans si tu en as. Et ton sujet a l'air trop intéressant, parce que c'est... J'ai fait un master avec un job à mi-temps, je suis un peu burn-out. Ouais, bah ouais, franchement, je comprends. Parce que j'ai vu, c'est hyper... Enfin, il est full, 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 quoi. C'est pas le master, le master 2, tranquille, après, où t'as ton mémoire. Et encore, je dis ça. Pour en avoir fait un, c'était pas si tranquille. Mais enfin, du moins, c'était... Quand je vois le niveau du FLE, c'est bien... Ouais, mais aussi, je pense qu'en ce moment, même au niveau des designers, c'est marrant, le moment de... de procrastination, mais totale. Il y a une... Même moi, je fais un peu de dizaines de lettres, tout ça, et même les langues. Hein. En ce moment, je suis ralenti, total. Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il fait chaud la période? Et c'est assez marrant parce que je vois dans les designers que je suis sur mon compte Insta, Twitter, il y a beaucoup qui se disent en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On a zéro inspiration. Ceux qui bossent sur les masters, c'est un peu le creux, là, en ce moment. Donc, écoute, voilà, et bah, tu fais bien d'être là. Et vous faites bien tous d'être là pour ce petit point-typo, ce petit moment de respiration. Voilà. En tout cas, voilà. Puis point-typo, je vous ai fait une petite sélection de, je ne sais plus, 10-12 typographes japonais avec un bonus, un gros coup de cœur d'un français. Je vais vous en parler après parce que je l'ai trouvé sur Twitter et un truc de dingue. Donc, on ne va pas parler de langue pour le moment, mais... Encore une fois, je te le dis aussi, je suis super intéressé par ton sujet. Donc, je pense que je vais t'en parler. Alors, sélection typo japonaise. Souvent, ce vendredi, j'essaie de mixer coréenne, japonaise. Je pense que je vais aller aussi sur la Chine, etc. Je ne veux pas faire un truc focus typo, voilà, pour tout vous dire avec plaisir. Pour tout vous dire, voilà, ma grosse passion à côté du Japon, c'est le design de lettres, le design graphique et les langues. Voilà, et je pense que je suis venu aux langues justement par l'écrit. Et donc ce vendredi, bah, je fais là une petite section typo type designer, graphic designer, donc contemporain, japonais. Je ferai des focus sur les, on va dire, les grandes figures du design graphique japonais et coréen, mais ça je le ferai un autre jour dans la semaine avec peut-être des... Je vais réfléchir, mais un focus vraiment par artiste, à vous montrer des choses que vous avez déjà vues, typiquement par exemple celui qui a fait le logo Akira et un peu l'ADA, donc on va toucher un peu l'ADA, le designer, la direction artistique, pardon,
d'animés, voilà, comme Akira ou autre, mais qui sont très marquants. C'est-à-dire que c'est un logo, même la typo Akira, on la connaît tous, même si on n'a pas vu Akira, on sait très bien, ça nous donne plein d'idées, le Tokyo futuriste, etc. Bon, ouais. Et j'ai envie de faire un peu des focus comme ça aussi, qui, comme ça, ça permet de pas que de parler d'art ou d'antiquité. Bref, donc tout ça peut dire que les typographes japonais, du moins les designers graphiques japonais, sur Insta notamment, parce que clairement la plateforme hein, pour avoir cherché du tab design, tout ça, c'est Insta. Vous en avez sur Twitter, mais c'est grand 99% ils sont tous sur Insta, mais les Japonais sont un peu plus sont un peu plus cachés, je dirais, et mais ça commence à se faire, ça commence à en tout cas se diffuser. Donc le premier que je vous présente là, c'est YSK TIP, donc ISK Type, qui fait des choses très sympas. Alors c'est un jeune compte, je vais dézoomer sur ce compte là donc tout ça c'est du japonais bien sûr, hein. Est-ce que je peux dézoomer sur son compte? Voilà, il fait des choses essentiellement tracées à la main. Donc si vous apprenez le japonais, si vous faites un peu de kana, de kanji, tout ça, je trouve que c'est sympa à regarder. Alors, c'est pas de la grande folie en termes de design, mais il y a de l'idée en fait. Je pense que derrière, ça c'est un compte qui est assez jeune, dans le sens où il a des idées en termes de lettrage. Vous voyez par exemple le kanji là tiré à la main, et après bon bah évidemment faut entre guillemets le numériser pour pouvoir être utilisé, pour en faire des variantes, pour en faire tous les kanji de la planète, mais je trouve qu'il y a de l'idée. Donc c'est vraiment un jeune compte qui est plus on va dire je sais pas comment dire, brut quoi, un peu brutaliste quoi, brut de décoffrage. Il le fait au marqueur, il le fait à la main, il le fait au stylo, et il y a plein de trucs qui sont vraiment très sympas et ça donne bah, des idées. Alors bon voilà, moi je pense que c'est un compte qui est sympa, qui est à suivre. Alors est-ce qu'il a bossé pour des comptes, pour des marques, pour des dramas ou genre, je ne sais pas. En tout cas je trouve qu'il y a un truc, c'est quelqu'un qui bon voilà, qui a un niveau qui est pas par rapport à ce qu'on peut voir quand on en voit beaucoup, qui a un niveau, il se fait plaisir quoi. Mais il y a de l'idée, il se fait plaisir, et je trouve que des choses comme ça, moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais même ça pourrait en faire un poster quoi. Donc il y a vraiment un côté graphique, je pense que vous comprenez aussi, qui est vachement intéressant. Et donc son compte à lui, il s'appelle, et je remonte, attention les yeux, YSKTYP, donc YSK_type, et un compte qui a du potentiel pour un premier compte qui est sympa en termes de Japon. Un deuxième compte que j'aime bien qui s'appelle SoberDesign0501, Sober.design. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude les liens des comptes en commentaire, en tout cas par rapport à la vidéo, vous l'aurez. Sober, en fait, c'est un studio mené par un web designer. Donc, web design, il va faire... Je trouve ça intéressant et ça sert rare, en tout cas, qu'il y ait une communication dans ce sens-là, d'un type qui, du moins d'une personne qui va faire du design web, de lui, l'interface utilisateur par exemple, et qui va en même temps faire du design graphique. Souvent, les mecs qui bossent en agence sont bah, déjà sont focus sur leur projet, par exemple de site ou autre, et n'ont pas forcément le temps d'ailleurs de faire du design graphique, et d'ailleurs c'est peut-être pas forcément leur truc. Et en même temps, des profils qui bossent du design graphique, qui font du mobile, qui font du lettrage, des couvertures, etc. Il n'y en a pas. Donc lui, ce qui m'intéresse, c'est que c'est quelqu'un qui a un profil vraiment qui va mettre en avant des bouquins qu'il a pu trouver. Et c'est, pour moi, c'est plus un compte pour une source d'inspiration. Les livres japonais, comme les livres coréens, il y a un vrai travail graphique au niveau des livres. Donc lui, dans son travail de web designer, il va faire un petit peu de posters de temps en temps, des logos, des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qu'il a sourcé comme, comme couverture de bouquins qui sont pas mal. Donc en fonction de ce que vous, vous pouvez aimer, et ben vous allez pouvoir trouver des choses qui sont très très sympas en vieille couverture comme ça, des bouquins un peu vintage, des choses qu'on trouve absolument pas ici. L'iconisme, qui est un bouquin sur les, bah, sur les icônes, il y en a eu un ici hein, qui avait été publié déjà, donc ça c'est vraiment des bouquins d'inspiration, surtout quand on bosse dans le design, mais rien que la couverture elle est hyper sympa. Moi ce que je trouve dans les couvertures, ce qui est vachement sympa surtout dans les couvertures japonaise, c'est que y a souvent un effet de texture dans les bouquins, même dans les vieux bouquins. Moi j'ai des bouquins sur les antiquités, sur les gardes de sabre, des trucs bien spécifiques. Il y a toujours un travail, je trouve, dans le. Je ne vais pas dire tellement pas graphique, enfin,
c'est pas foufou quoi, comme ce qu'on peut avoir en Corée. Corée, c'est la dinguerie, il y a des bouquins, il y a toujours un travail de couverture qui est dingue. Au Japon, c'est beaucoup dans la texture. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. En l'occurrence, là, vous voyez, je pense que c'est un peu un papier gaufré dans lequel, bon, il y a eu un travail quand même évidemment graphique au, terme de, au niveau des kanji, hein. Mais c'est surtout cette texture de gaufré. Et souvent, les beaux livres, enfin, en tout cas, il y a un vrai truc graphique. C'est souvent la qualité du papier. Le, bon, là, en plus, c'est un bouquin qui est un peu technique, quoi, sur le papier. Bon, le fond du bouquin, il faut aimer, quoi. Enfin, là, je pense qu'il faut vraiment bosser dans le design pour pouvoir prendre ce genre de bouquin. Bref, donc, ce compte-là, moi, il m'intéresse surtout parce que vraiment, il vous donne des idées d'inspi. Et notamment, il y a un livre, j'avais fait une vidéo sur... j'avais fait une vidéo sur un magazine graphique qui s'appelle Idea. Et je l'avais fait sur... je ne sais plus si je l'avais fait sur Twitch. Je ne sais plus. Enfin, peut-être que je le refasse sur Twitch. Sur, en tout cas sur TikTok, qui est un bouquin, qui est un magazine de dingue. Si vous aimez vraiment le design graphique japonais, eh ben... il faut absolument trouver ce magazine. C'est compliqué à les trouver en France. Moi, personnellement, je les achète au Japon. Mais c'est vraiment une bible du design graphique, pas que japonais et international, contemporain de là, maintenant, là, tout de suite. Il y a des trucs dingos. Il y a des pleines pages où vous avez des compositions. Et ça, encore une fois, sans être spécialiste, sans bosser là-dedans. Vous allez kiffer si vous aimez, si vous aimez ça. J'en ai un, donc peut-être que je referai une vidéo. J'en ai même deux là, qui sont vraiment topissimes. Peut-être que je ferai une nouvelle vidéo là-dessus pour vous montrer Idea, parce que c'est dommage, ils ne sont pas tellement diffusés en France. Et il faut chercher sur Internet, vous pouvez les commander et tout, donc ça peut vous coûter un peu cher en yen, mais top. Bref, donc tout ça pour dire que Sober Design, c'est un compte qui identifie, qui vous donne des bonnes idées de livres. Et si vous aimez juste voir les belles choses, et ben c'est un compte qu'il faut suivre. Idem, je vous mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai son compte en commentaire. Un autre compte Insta que j'ai trouvé qui s'appelle Yoake No Design, Yoake Yoake, qui fait des trucs très sympas, là pour le coup, un designer graphique comme on peut le voir, qui là va vraiment jouer du caractère, qui va vraiment s'amuser avec les lettres, pas que des lettres japonaises comme on peut le voir ici, quand c'est écrit aussi en lettres latines, mais qui va, moi ce que j'aime bien, il y a une approche du kanji, je ne sais pas si vous faites japonais, dans ceux qui me regardent, mais nous, quand on est voilà, occidentaux, quand on apprend les kanji, on fait hyper attention à bien faire les traits, surtout au début, à bien faire les petits traits, à ne pas se planter, ne pas faire un rond quand c'est un trait, le sens du trait, c'est hyper important en kanji. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, ah ok, en fait, on peut se faire plaisir en fait avec les kanji. Et donc, je trouve que c'est très sympa parce qu'il va vraiment profiter du caractère. Vous voyez des trucs sympas, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui se fait vraiment plaisir dans les créas. Et ça, c'est aussi cool hein, quand moi, je trouve des comptes comme ça où c'est pas forcément des commandes, c'est pas, je veux dire, c'est un designer, c'est un mec qui se fait, ou une nana qui se fait plaisir et qui va publier son truc. C'est aussi, je trouve que c'est vachement intéressant. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on gagne de la visibilité quand on a un portfolio. Bon, bah voilà. Et je trouve, voilà, même visuellement, c'est très joli, que vous lisiez ou pas le japonais. Je trouve qu'il y a des très belles créations. Et idem, ça peut aussi donner des idées. Ça peut vous donner des idées si vous voulez un peu crayonner de temps en temps. Voilà, il y a des choses très, très, très sympas. Donc, ce compte, c'est Yoake No Design, qui est un petit compte à suivre, qui est sympatoche, qui est un compte qui va grandir. Mais surtout si après, il a des commandes, s'il met ses travaux. Mais il y a des choses qui sont top, top, top. Ça ressemble plutôt à des logotypes, hein, d'ailleurs, hein, par exemple, pour des marques. Il y a des choses comme ça, moi, que j'ai déjà vues. Un logotype, c'est un logo avec un texte en dessous. Et qui sont très sympas. J'avance. Sinon, ce ne sera plus un apéro. Et sinon, Rosie, tu ne vas pas retourner bosser. Un autre compte top qui s'appelle Kayui Yuika. Je ne sais pas si vous voyez. Kayui Yuika. Qui est un compte aussi très sympa. Bon, là, on est vraiment dans un profil qui va faire du type design. La formation des lettres, comme j'en ai déjà parlé. Vous voyez, là, ça vous fait peut-être mal aux yeux, vous allez me dire, les yeux ça pique. C'est quelqu'un vraiment qui va aller plus loin que le compte dont je viens de vous montrer, qui là pour le coup travaille régulièrement sur du design graphique, sur du logotype, qui va faire certaines commandes. Moi ça me fait penser, il y a beaucoup de logos là, par exemple de petits paquets de gâteaux ou de bonbons là, que vous pouvez trouver en épicerie. Bon voilà, ça c'est vraiment quelqu'un
qui bossent sur des commandes. Comme je dis toujours, hein, quand on voit des petits logos, des logotypes comme ça, ou pour des marques, ou, c'est souvent quelqu'un qui peut avoir une commande, donc qui ne va pas se taper tous les kanji de la planète. Hein. De base, si vous faites du japonais, vous savez qu'il y en a quand même deux bases, c'est les Joyo Kanji, il y en a 2046, je ne sais plus précise. Il ne va pas se taper les 2000 kanji à les faire. Sauf, encore une fois, si de l'idée de ce mot, il a envie d'en faire d'autres lettres pour que ce soit utilisé par d'autres gens, et ben il va aller, en tout cas, le designer va aller créer les autres caractères. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est quand on a des idées de design de lettres, quand voilà, Kayuika a des idées, voilà, ça, c'est une idée qui est pondue, après, bon, peut-être qu'il y aura un projet. Idem sur un logotype, quand il va y avoir une demande pour faire un logo pour une marque, je ne sais quoi, il peut y avoir l'idée d'aller faire la suite. Moi, ce que je trouve, ce qui est bien sur ce compte, qui est très sympa, pareil visuellement, si vous aimez, elle publie régulièrement des choses, c'est que c'est ce côté un petit peu vintage, là, ce qu'on retrouve aussi sur les packagings de jeux vintage, qui sont très sympas, et pourtant, c'était fait aujourd'hui. Donc voilà, bon, sans rentrer dans le détail des tracés, je trouve qu'il y a une vraie variété en termes de travail graphique. Et donc, c'est un compte que je conseille très fortement. S'il y en a un d'ailleurs dans la sélection japonais que vous devez retenir, limite c'est vraiment celui-ci, Kayui Ueka, qui est très très sympa. J'avance, là on est sur un profil qui va faire vraiment du, en l'occurrence du print, du design graphique, qui va pas forcément faire du design de caractère, mais c'est vraiment très propre, pareil si vous aimez les belles choses. C'est Kanako _D _ B, qui est une artiste, une designer graphique, qui travaille beaucoup sur commande. Je connais beaucoup moins le Japon que le Corée. C'est moins marrant pour jouer au Bintes la foule. Ouais, c'est plus compliqué. Hein. Mais aussi, il y a moins de visibilité. Et puis, il y a un petit côté... j'arrive pas à dire, dans le design graphique japonais, hormis le compte que je viens de vous montrer, là où c'est très coloré, ça pète un peu dans tous les sens. Ça se rapproche d'ailleurs hein, de ce qu'on a pu voir un peu en Corée. Il y a le côté un peu très retenu, toujours, du design japonais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Rosy, tu vois ce que je veux dire, en termes de design, c'est toujours un peu, c'est propre, c'est une certaine sobriété du discours, et c'est assez étonnant d'ailleurs au Japon, dans les rues, il n'y a pas de la folie des affiches, enfin, d'un point de vue même graphique, les posters, tout ce qu'on peut voir, les pubs, c'est pas, pour moi, ça n'a pas tellement bougé depuis les années 2000, quoi. C'est assez étonnant. Et pourtant, je pense qu'il y a un vivier de jeunes graphistes, designers qui bossent, qui font des trucs sympas. Mais même là, par exemple, je trouve qu'il y a des choses que... c'est pas du déjà vu, c'est super propre, mais c'est ça, c'est ce côté sobre qu'on retrouve vraiment dans beaucoup, beaucoup de comptes. Malgré cela... Alors les sites internet, en tout ce qui va être en design de site, c'est franchement, pour moi, la Corée est juste là, quoi. Le Japon, les designers graphiques japonais, et c'est vraiment un gros mystère, hein, franchement. Il y a des sites, putain, mais je sais pas si vous utilisez des sites japonais ou si vous êtes déjà vous allé au site Where Rosy t'as des Japon, mais t'as des sites japonais, sérieusement, on dirait un design des années 90, quoi. Donc, il y a vraiment des choses qui sont vraiment... qui sont trop, c'est même plus sobre là, c'est même en interface graphique, c'est passé quoi. Donc, mais je pense que voilà, je pense que c'est un mouvement aussi qui doit peut-être se créer. Il s'inspire beaucoup aussi de ce qui va être fait à côté. Après, c'est la logique aussi à mon avis. Et pourtant, il y a des type designers japonais hein, qui interviennent à des confs. Un soir and progress. Ah bah ok, cool. Ben, merci. Écoute, je connaissais pas du tout. Je vais regarder. Un soir and progress. Une vidéo sur quoi, sur le design japonais ou tu me diras. Je vais regarder ça, soit une progresse, parce que moi je pense qu'il y a aussi une vraie volonté de se développer. Ok, merci. Sinon je vais regarder. Mais tu vois, je pense qu'il y a une volonté de grandir quand même. On est toujours pareil, le Japon insulaire, machin. Je pense qu'il y a aussi une volonté de grandir sans vraiment essayer de s'inspirer de ce qu'il y a. Pourtant, il y a quelques type designers hein, qui participent aux confs internationales. Mais c'est clairement pas du niveau. Je ne vais pas dire que c'est pas du niveau d'un point de vue finition, etc., que ce qu'on retrouve en Corée ou chez nous. Mais il y a moins de surprises, je trouve. Voilà.
Bon, bref. En tout cas, la pauvre, j'ai un peu défoncé son compte à Kanako parce que c'est super propre ce qu'elle fait. Donc, c'est aussi un compte à suivre, plus somme, mais c'est aussi un compte à suivre. Kanako underscore underscore B. Un autre, Yoshihiro. Lui, par contre, là, voilà. Lui, il y a la couleur. Là, on sent que ça s'inspire de plein de choses. Mais de, justement, tiens, de Miyazaki, etc. Lui, il y a des choses que je. Que moi perso je retrouve dans le design même chinois, ouais, coréen. Là pour le coup, on est vraiment sur un profil qui est mal. C'est vraiment là l'inverse de Kanako qui est très sobre, très carré, très dans le mouvement qu'on connaît déjà du Japon. Là, là Yoshihiro, c'est l'explosion, c'est top. Moi j'adore, franchement, ça donne des bonnes idées, ça fait du bien aux yeux. Même retrouvé, il n'hésite pas de reprendre des persos. Voilà, Monkey D. Il y a un montage qui est très sympa. Alors, je ne sais pas s'il a eu des commandes, par exemple, pour faire des posters ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'aussi, ça a une différence que je trouve par rapport aux designers qu'on a chez nous. C'est que souvent, nous, on va le formater en mode poster. Il y a une grosse tendance qui est poster art. D'ailleurs, si tu aimes ça, toi, Rosie, il y a poster art, poster design. C'est vraiment des grosses tendances à suivre. Parce que c'est vrai que pour montrer un travail, souvent, on va le formater en mode poster ou en mode affiche. Et alors qu'au Japon, c'est souvent, comme on le voit ici, c'est souvent des formats carrés. C'est marrant. Pleine poire carrée. En mode flyer. Bon, c'est vrai que les affiches au Japon, c'est souvent du format A4, vraiment du petit format. Mais enfin, c'est pas forcément carré. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que lui, c'est un super compte à suivre aussi. Une créa qui est hyper variée, des gros inspi partout. Il est très très frais, je trouve, comme compte, aussi en termes de design. Je trouve qu'il y a des choses comme ça. Là, on pourrait, je disais tout à l'heure, de le mettre en poster ou sur des petites cartes de visite, des trucs. C'est super sympa, quoi. Donc, c'est simple, mais très sympa, très frais. Et là, pareil, je trouve qu'il y a cette petite sobriété japonaise qu'on retrouve. Ça, c'est clairement pas un truc que je verrais chez un designer, soit de chez nous, européen ou coréen. Clairement, là, c'est typiquement, je verrais même pas le japonais en touche, direct, je sais que c'est japonais, quoi. C'est assez marrant, ce côté. Donc, Yoshihiro, avec un W-Y-O, un compte à suivre aussi. J'avance sur un autre compte qui est aussi très sympa, c'est M. Alors, le pseudo, pareil, les japonais, au niveau des pseudos, c'est un peu compliqué. Hein. M0120KM, qui fait des choses aussi sympas, qui a beaucoup d'inspiration, un peu du même type que Yoshihiro. Et là, pour le coup, je dirais que sur ce compte-là, on retrouve des choses que on a déjà vues, que moi je vois assez souvent en Corée. Donc c'est assez marrant parce que je trouve finalement que les designers ou designers hommes et femmes hein, ou autres s'inspirent. Certains, on voit qu'ils sont assez fermés, restent dans ce moule là, très très japonais. Et puis d'autres qui s'ouvrent vraiment sur plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique en graphisme en Corée. C'est marrant, hein, c'est très marrant. Ne serait-ce que les tracés, alors moi ce que je regarde aussi, c'est notamment les traits qui finissent, notamment qui ne sont pas bruts, qui finissent par des arcs de cercle. Il y a une vraie dynamique. Et pareil, il y a un jeu. Souvent, je dis en Corée, il y a la lisibilité qui est hyper importante. Et là, on voit là, le kanji. Elle se fait plaisir et en même temps c'est lisible, donc je trouve que c'est très sympa, mais à mon sens c'est, et je pense que voilà, tu as fait le même retour, c'est des choses que je vois tout le temps dans les designers coréens, quoi. Et c'est marrant, donc voilà, c'est bien aussi, mais je trouve que moi j'aime bien regarder aussi la nouveauté, donc c'est un compte à suivre parce que il y a quand même des choses qui sont très très sympas, même ces persos comme ça, ils sont sympas, hein, faut avouer, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu. J'avance, j'en ai encore 1, 2, 3, 4 et puis 2 petits bonus. C'est ça. Kazu Argraph qui là, pour le coup, c'est un compte, comme je disais, je ne sais plus le compte que je vous avais montré tout à l'heure, qui est vraiment quelqu'un qui fait du design graphique, pas du lettrage, mais plutôt de la composition graphique. Là, pour le coup, il y a vraiment plus de comptes à suivre sur cette composition graphique. Je ferai un topo là-dessus, parce que la composition graphique, je suis justement en train de lire un bouquin là-dessus, sur les patterns en termes de composition graphique purement japonaise. Il y a des choses qu'on voit, je regarderai ta vidéo. C'est
sobre. Alors, je trouve qu'il y a cette sobriété et cette, effectivement, cette délicatesse. Pour moi, ce que je trouve dans ce que tu dis que c'est délicat, c'est délicat. En plus, c'est une marque japonaise, c'est délicat. C'est notamment le travail de lettrage, évidemment, c'est quand je veux cliquer dessus. Souvent, les kanji qui sont très très fins comme ça. C'est vraiment une fonte qui est très légère, light, voire extra light. Et ça, déjà, ça apporte beaucoup de finesse. C'est vrai, quand on a les caractères, surtout en japonais, bah, c'est quand même plus visuellement plus lourd que le coréen, si je dois comparer. Et c'est vrai que tout de suite, quand on a des caractères qui sont très fins, avec une composition qui elle-même, on voit, hein, le design est toujours très très sobre, c'est vrai que ça, je trouve que ça fait, y a un tout, ça match. Et lui, ben, vraiment très très sympa, hein, ce qu'il peut faire, et je trouve que c'est un bon compte d'inspiration. Donc c'est un studio qui fait beaucoup de commandes, c'est voilà, Kyoto Institute of Technology, c'est un profil qui a touché à beaucoup de choses, et on sent que c'est vraiment, il y a du senior, quoi, là-dedans, quoi. Plus dit quelque chose, je ressens personnellement, ça se distingue assez clairement des deux autres. Ouais. Ben, c'est pour ça que je voulais montrer aussi celui-là, parce que je trouve que ça donne aussi un autre aperçu, si je reviens par exemple sur Kanako, sobre, mais on va dire déjà vu, déjà lui qui est là, on est sur autre chose. Après, c'est un type aussi, à mon avis, de commande très, très, très japonaise. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va bosser pour des comptes autres, qui va faire, voilà, les affiches typiquement là. Alors là, on est 100% dans la petite affiche japonaise. Mais il y a quelque chose dans cette composition, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Et ça, justement, avant de parler de toutes ces compositions graphiques japonaises, qui, juste pour le dire, sont quasiment toutes, quand on est sur ce format-là, qui est un format A4 imprimé, toutes sur le même modèle, une belle image, une grosse fonte, une grosse typo, le détail, les informations clés qui sont beaucoup plus fines, en bas, c'est un peu calé, c'est massif, boum. Oui, c'est, bah oui. Et en fait, tu veux, c'est assez marrant, parce que je trouve que ces designers graphiques, bon, donne des idées, et puis s'inspire quand même beaucoup les uns des autres, et surtout au niveau du Japon. Mais au Japon, il y a ce truc des affiches qui fait que, même si c'est toujours un peu monté de la même manière, oui, pour le truc de poterie, ouais, je me souviens. Mais tu vois, les affiches qui sont toujours un peu montées de la même manière, bah moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent le travail de texture du papier qui est derrière, des couleurs, comme on le voit ici. C'est simple, efficace, il y a du caractère, mais bon, bah ça, c'est le problème, c'est aussi les kanji, hein, entre guillemets. Mais voilà, je trouve que c'est très bon. Donc c'est un compte qui est très sympa, Kazu Argraph, Kazuma Matsuda, qui est un compte aussi que je conseille de suivre. J'avance pour quelque chose à un autre compte typé coréen. Je devrais pas dire ça, putain, si je leur dis, c'est pas bien. Parce que je suis sûr qu'en France ou en Italie, UK, on en a qui font le même genre. Mais là aussi, tu vas voir, vous allez voir qu'on a des choses qui se rapprochent de ce qu'on a pu déjà identifier, bah, comme celui-ci, hein, que je viens de montrer tout à l'heure. Ça, c'est marrant, je sais pas si je l'ai encore ouvert sur l'autre compte, mais bon. Il est où? Non, c'était pas Yoshihiro, parce que Yoshihiro, il est juste dingue. Je ne sais plus. Je l'ai plus. Ouais, c'est un peu ce tracé-là, quoi. Et c'est pas grave, bref. Bah voilà, des choses qu'on a déjà vues. Mais c'est sympa. Je trouve que c'est frais, c'est plaisant à regarder. Donc moi, toujours ces comptes, je les suis parce que je me dis, bon, il peut y avoir des belles surprises. Après, c'est vrai que bon, bah, c'est aussi Instagram, donc c'est vrai que des comptes comme ça, on va s'arrêter sur une créa, c'est joli, non, on a déjà vu, on passe. Et puis des fois, il peut y avoir un truc qui sort du lot complètement, boum. Moi, perso, j'aime bien ces caractères-là, ce qui avait été fait ici. C'est original, j'aurais bien aimé qu'il en fasse plus, quoi, parce que je trouve que c'est sympa, il y a du mouvement, il y a de l'idée. Bon, voilà. Bon, après, donc, c'est un petit compte à suivre. D'ailleurs, j'en profite, il y a un compte, je vais aller sur un autre compte que je n'avais peut-être pas ouvert, qui s'appelle 36 Design. Je vais te montrer si toi tu aimes bien. Design, merde, type, sinon je le mettrai en commentaire. Comment ça s'appelle, putain? C'est un truc, ouais, 36 Days of Tap.
36 Days of Type, qui est en fait un concours, gratuit, c'est un pseudo-concours, hein, qui a lieu sur Instagram, et qui est pour participer, en fait, il faut publier tous les jours. Je sais pas si je peux voir les yeux. Attention les yeux. Je vais ouvrir Insta, c'est pas grave. Je voulais te montrer ça après. Tic-tac-touc. 36 Days of Type. Si vous aimez, si toi Rosie t'aimes le design graphique qui n'est pas que japonais ou coréen pour le coup, il y a un truc à suivre qui s'appelle 36 Days of Type. Ce qui est super cool en fait, c'est que c'est chaque année, ce compte là lance 36 jours et chaque jour il faut faire une lettre. Donc c'est d'une lettre latine, hein, là notre alphabet, jusqu'à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc ça fait 36, donc tous les jours, il va, tous les designers graphiques, professionnels comme amateurs, peuvent poster, il n'y a pas d'obligation, mais peuvent poster une lettre, un chiffre en fonction du jour. Donc quand là, en l'occurrence, là je suis sur les 9, c'était la dernière fois, il fallait poster un 9. Et je trouve que ça, il y a plein d'inspiration, et je trouve que c'est vraiment cool comme concept. Donc il faut que tu regardes, Rosie, 36 Days of Type, enfin 36 Days of Type, c'est trop sympa. Et en fait, quand on publie, on est sélectionné en fait chaque jour. En tout cas, eux sélectionnent une flopée, je ne sais plus combien, une vingtaine, trentaine de créations. Et ils vont le mettre notamment en story et puis après les publier sur leur mur. Donc je trouve que c'est une belle mise en avant pour certains designers qui peuvent peut-être avoir un petit peu moins de visibilité. Et puis juste par plaisir, donc moi j'avais fait déjà une série, je ne l'ai pas fait cette année, mais le chat avec les 9 vies du génie. Ah oui. Mais tu vois, même il y a des trucs trop sympas, donc là on est vraiment sur du travail graphique, mais je trouve que c'est 36 Days of Type, trop bien. Et il y a du sérieux, hein, il y a genre du type designer qui fait de la typo, machin, et du monde entier, en sachant que on est sur des lettres latines. Donc c'est vrai que majoritairement, on est sur des... surtout sur des occidentaux. Mais voilà, ça c'est un compte, c'était le petit aparté pour ce compte qui est trop sympa. Je reviens sur mon sujet, parce que là, finalement, tu vas vraiment pas avancer ton sujet, toi. Sur Orange 634, je passe rapidement sur ce compte, j'en ai montré, mais voilà, je trouve que c'est aussi un compte qui est sympa, parce que, même encore une fois, très teinté de ce qu'on peut voir en Corée, mais qui a fait plein de choses, je trouve, graphiquement, il y a vraiment de l'idée, il n'y a pas une de ses seules créations qui se ressemble, et il joue beaucoup avec les couleurs, beaucoup avec les formes. Top. Un autre compte qui va peut-être te plaire aussi, qui s'appelle Hachiro Logo, Hachiro, qui lui, moi j'adore ces petits persos comme ça, ils sont très simples, ces petits logotypes qu'elle peut faire, et qui sont toujours avec cette sobriété, et puis en même temps, je trouve que c'est super sympa, voilà, ça mange pas de pain, c'est efficace, il y a du travail au niveau du lettrage, du travail au niveau du petit design de logo qui est un peu naïf et puis en même temps qui nous fait penser à plein de choses. Donc voilà, je trouve que ça c'est vraiment un compte très sympa. En plus sa présentation sur son un peu papier, là, son genre vieux papier canson, c'est très sympa. Et donc là pour le coup c'est vraiment un compte innovant par rapport à tout ce qu'on peut voir. Et c'est quelqu'un qui va faire de la typo, qui va faire du design graphique. Et là, clairement, je trouve que c'est intéressant parce que pour pouvoir designer, si c'est une personne qui cherche aussi des clients, ça permet aussi pour un annonceur, un client, un resto lambda, il dit je cherche un logo. Bon, voilà, au moins, j'ai envie de faire un logo japonais, je sais vers qui je peux me tourner. Donc, un compte super sympa, Hachiro Logo, très cool. J'avance sur le dernier compte japonais que je voulais vous montrer. Ouais. Sur son compte là, sur Hachiro. Ouais, c'est très propre. C'est très propre. Je trouve que c'est aussi bien dans les comptes Insta, parce que souvent les comptes Insta, on va aller. Je pense que toi, vous faites tous pareil. Je fais aussi ça. Quand on a vraiment des trucs qui nous sautent aux yeux, on va aller voir la page, on va aller voir le compte Insta. Et sinon, surtout quand on est abonné, par exemple, en design graphique, tu vois, des flopés. Je ne vais pas tout le temps prendre le temps d'aller sur le compte. Donc c'est vrai que quand c'est quelqu'un que je suis régulièrement et que je vais retrouver, voilà. Et c'est vrai que c'est agréable parce que quand on a un mur qui est propre,
ça permet aussi de se retrouver, et puis ça permet aussi de donner des idées. Et notamment pour un client, clairement, moi je pense qu'un client qui cherche un logo, eh ben, de voir tout ça, ça lui donne aussi des idées de composition graphique. En tout cas, moi ce que je trouve qui est très sympa, c'est qu'il y a vraiment des choses, on sent que c'est la même personne, mais c'est différent. Il y a toujours un logotype qui est différent, et ça je trouve que c'est très fort. Le dernier compte, là pareil, en design graphique, qui sort du lot complètement. C'est pour ça que j'ai essayé de faire une sélection qui aussi montrait les différentes facettes du design graphique japonais. C'est Kogure Kanu. Alors, Kogure, paf, Kanu, qui fait... Donc là, on est plutôt dans l'illustration. Mais de l'illustration qui... je trouve qu'il y a un truc, quoi. Alors, c'est l'illustration limite œuvre d'art, hein, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Là, clairement, ça en ferait des posters, ça en ferait des cartes pour Noël ou... C'est vraiment très très sympa et ça change pour le coup complètement de ce qu'on peut voir sur les autres designers graphiques. En plus, ça a l'air quand même très sympa. Parce que je trouve que ça change complètement de ce qu'on, clairement, de ce qu'on voit en termes de compos. C'est pour ça que je voulais finir sur son compte de compos japonaise. Donc après il y a des trucs un peu, bon moi je suis moins fan. Je suis plus vraiment fan de son travail dès qu'il y a du design, mais bon, c'est aussi pareil, un profil jeune. Hein. Mais c'est un compte à suivre parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment bien, hyper propres. Et quand c'est designé comme ça, c'est propre. Et puis il y a d'autres choses qui sont moins, bon, voilà, moins à mon goût, hein, moins top. En tout cas, je pense que c'est vraiment un compte qu'il faut suivre, qui va vraiment évoluer, qui va grandir. Un compte très très sympa. Voilà sur les comptes japonais. Pour terminer, parce que sinon, tu vas pas travailler. Parce que pour info, je sais pas s'il y a d'autres. Rosie a du travail. Voilà. Je motive, hein. motivation. Un dernier compte qui est vraiment top et donc que j'ai découvert, j'ai contacté. Il s'appelle Julien Simon, de son petit nom Orasai, que tu peux trouver, que vous pouvez trouver sur Instagram, qui est, alors attendez, juste parce que je l'ai sur Twitter, son Insta, c'est underscore Orasai, O-R-A-S-E-I, qui est français, et qui fait des trucs très très sympas, et notamment, je l'ai trouvé comme ça, il est parti en fait de l'idée de faire sur un perso de justement d'Akira qui s'appelle Tetsuo, de partir sur vraiment ce personnage, comme il dit, hein, torturé, pour en faire une typographie, carrément une lettre, là, comme on le voit, hein, le design de lettres, et je trouve que le rendu, il est dingue, et je crois que je lui ai aimé un moment, c'est que ça permet de s'adapter vraiment à plein de sujets. Je trouve que dans son travail de lettrage, il est parti de cette idée, ouais, il parlait de l'idée Tetsuo, et ça, c'est le genre de truc qu'on voit pas au Japon, hein, clairement, en tout cas, que j'ai pas encore trouvé de designer qui faisait ça, et il est vraiment parti de cette idée, de ce profil, quoi, cette personnalité, lui va avoir certaines sensations, une certaine expression qu'il va vouloir rendre à travers ce caractère. Et il en a fait carrément une typographie complète. Donc il a fait toutes les lettres qui sont utilisables. Il faudrait que je lui demande si on peut l'acheter pour l'utiliser. Mais je trouve que c'est très... On voit juste le texte à droite, là. Il y a ce côté japonais un peu ancien qui peut s'adapter à plein de choses. Des plaquettes pour, par exemple, des expos, pour de la céramique, pour une titraille sur un bouquin, une grosse affiche. Et même sans connaître, d'ailleurs, sans savoir qui était Tetsuo, je trouve que il y a vraiment un truc, en tout cas, dans son approche, dans son travail. Alors, c'est vrai que c'est renforcé par le rouge dans son travail de compo, mais vraiment un compte super que j'ai découvert. Et donc, son compte Insta, je le présente juste, c'est Orasai. Attention les yeux. Et puis, je vais terminer là-dessus. Il est... là, on est vraiment sur un type qui bosse, qui adore le lettrage, qui va faire du design graphique, qui est hyper productif. Là, on est vraiment... la crème, une des crèmes, parce qu'il y en a beaucoup, du design graphique franchement français, aujourd'hui actif, très fort. Il est français. Et puis enfin, une autre idée, ça c'était pour surfer sur un autre compte qui va peut-être vous intéresser, et peut-être toi aussi, Rosie, ça va s'intéresser. C'est un compte qui n'est pas que japonais,
mis, qui va de temps en temps, comme je le mets ici, présenter des posters. Donc c'est un compte qui s'appelle Posters of Berlin, donc qui présente que des posters dans la rue de Berlin. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément qui a fait le poster, mais je trouve que ça donne des bonnes idées, et de temps en temps, il y a des posters qui sont vachement inspirés Japon. En l'occurrence, bah ouais, ici, on le voit avec... J'ai plus le nom en tête, mais j'ai le nom de l'animé sur le bout de la langue, qui est vraiment très sympa comme composition. Et c'est des choses que voilà, moi j'aime beaucoup, parce que ça, on part d'un sujet, en l'occurrence le film, l'animé, et on va en faire quelque chose. C'est pas que japonais, mais derrière il y a vraiment plein de choses qui sont hyper intéressantes. Attention, pas que japonais, pas coréen, mais je voulais présenter ce compte-là, parce que c'est comme 36 Days of Type, c'est un compte qu'il faut suivre si on aime le design graphique. Voilà, je termine là. Donc j'ai un peu dépassé le Japon, j'ai peut-être un peu dépassé le temps, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu, Rosie, sur cette petite sélection. Mais je crois que c'est bien, une plus grosse sélection, ça devient fatigant, où on voit trop d'infos, trop de choses qui se ressemblent. Donc là, j'ai essayé aussi de trouver des choses qui sont un peu différentes et donner un peu un aperçu. Ben merci si ça t'a plu. Un aperçu un peu différent de ce qu'on a en termes de composition japonaise. La prochaine fois, je ferai une autre sélection. La prochaine fois, sûrement Corée. Et ou peut-être je vais voir. Peut-être je vais parler de composition, peut-être de posters. J'ai un truc en tête au niveau des posters. Voilà, l'idée, c'est aussi de montrer différentes facettes de ce qui se fait et pas forcément montrer toujours les choses un peu plus court. Et ben écoute, très bien, même si j'ai un peu dépassé, tu vois, en voulant parler de ces deux autres comptes, mais comme tu m'as fait penser à 36 Days of Type, là j'ai voulu aussi parler de posters et de sortir un petit peu du Japon. Mais si je sors du Japon, c'est fini. En tout cas, bonne soirée. Je te souhaite à toi, Rosie, bon courage pour ton mémoire. Vraiment, je veux en savoir plus. Voilà, ça c'est dit. Et puis, écoute, vraiment bon courage. Et ben top. Écoute, je retiens. Et ben, tu vois, 45 minutes, nickel. Je te souhaite en tout cas bon courage. Pas trop parce qu'il fait chaud, et je sais que c'est galère de bosser quand il fait chaud. On est un peu cassé. Donc, écoute. Voilà, je suis tout cœur avec toi. Et puis, n'hésite pas d'ailleurs, même si tu veux parler de ton boulot, pas forcément comme ça en live, mais moi, je suis franchement très curieux de voir ce que tu proposes, avec grand plaisir. Mais carrément, mais je prends. Top, top. D'ailleurs, ça me donne envie de regarder encore ce qu'il y a comme formation et fais-le, là. Qu'est-ce qui ressort, s'il y a des choses faisables ou pas dans mon temps, mais je crois que ça n'a pas tellement évolué depuis deux ans en termes de formation FLE, c'est un peu la même chose. Et puis Rataka Master, c'est encore autre chose. Bref, je dépasse. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde. Et puis prochain live pour moi, ce sera... je suis un peu Diablo le soir, donc ce sera gaming Diablo, donc là pas du tout Japon, encore qu'il y a Suga qui a chanté, donc c'est un peu coré pour le coup. Et puis live semaine prochaine. Ciao, bonne soirée, et puis à bientôt. Ciao, ciao, salut Rosie.